Surface un peu particulière, mais après, je pense que pour jouer au rugby, ça, voilà, il n'y aura pas de conditions climatiques, le ballon ne glissera pas comme, comme le week-end dernier, donc voilà, je trouve qu'on a encore moins d'excuses. Après, attention, le Racing maîtrise, il fait des entames de match canon sur leur terrain, c'est souvent un peu voilà, l'effet de surprise par rapport aux adversaires qui finalement s'entraînent qu'une ou deux fois dessus dans la semaine. Préparer le match, eux ils ont cette habitude, ils passent d'une transition à l'autre assez facilement, donc l'entame de match est déterminante, parce qu'ils ont souvent l'habitude de commencer très vite et très fort. Notre problème c'est la régularité et la constance. À partir de là, on a eu, voilà, on sait qu'on est capable de faire des bonnes choses, on sait qu'on est capable de passer au travers, on sait qu'on est capable de se faire prendre aussi comme on s'est fait prendre ce week-end, mais voilà, faut qu'on joue en équipe, ça c'est sûr et certain. Surtout des matchs comme le Racing, si on n'y va pas avec, j'ai envie de dire, la volonté de jouer en équipe, la volonté de jouer les uns avec les autres et pour les autres, c'est sûr qu'on va se compliquer la tâche, quoi. Surtout contre une équipe contre le Racing, qui a pris un gros score le week-end dernier. Donc, voilà, les deux matchs de Coupe d'Europe après, derrière, mais c'est pareil, on ne peut pas se permettre de les lâcher, on ne peut pas se permettre de... voilà, on avait réussi à faire 2 victoires d'affilée, il faut un championnat, il faut qu'on arrive à se mettre dans une constance de performance et dans une dimension mentale d'enchaîner les matchs. Voilà. Et des matchs malheureusement en top 14, c'est que des matchs de haut niveau quasiment. Voilà. Oui, nous concentrer un match à Racing, et c'est très important. On va jouer dans l'histoire de l'Arena, c'est un match difficile aussi parce qu'ils sont forts là-bas, et ils courent beaucoup, et c'est un match différent et on va voir, on va prendre le meilleur pour gagner les matchs. On s'appuie énormément sur la trame qu'on a travaillée la semaine dernière déjà. Donc on conserve une énorme partie de cette trame pour ce week-end. Le groupe est resté assez stable sur les 2 matchs d'une semaine à l'autre. Donc voilà, évidemment, on adapte certaines choses, certaines annonces par rapport à l'adversaire du week-end qui arrive. Mais bon, on a déjà une base de travail sur laquelle on s'appuie depuis le début de l'année. Donc que la semaine soit courte ou non, je pense que l'équipe sera prête pour ce match. Ce match à Lille sert forcément de base de travail parce que c'était le premier match de la saison. On a reçu le Racing. On le perd à la maison, je ne sais pas si ça a eu des incidences sur la suite de la saison, mais quand une équipe vient nous battre chez nous, il est normal qu'on ait envie forcément, ne serait-ce qu'en tant qu'homme et compétiteur, de vouloir à notre tour aller entre guillemets leur gâcher la fête.